viens donc t'expliquer dehors. Superman, Dieu soit loué. Non, je veux dire, maudit soit Dieu. Tuez-le ! Viens à moi, fils de Jor-El. General, haven't you ever heard of freedom of the press? Superman, thank God. Get him! Come to me, son of Jor-El! Kneel before Zod! Bienvenue dans ce nouveau DTC consacré à Superman 2, les deux films qui sont sortis en 1980 puis en 2006. Alors laquelle de ces versions est la meilleure? Le Superman 2 réalisé par Richard Lester, sorti en 1980, ou le Superman 2.0, appelons-le comme ça, sorti en 2006 directement en vidéo, réalisé par Richard Donner? On va tenter de répondre à cette question. Vous allez apprendre plein de choses comme d'habitude au travers d'images inédites, d'anecdotes de tournage. On va d'abord s'intéresser à la production chaotique de Superman 2, donc sorti en 1980. Puis progressivement, on remontera le temps pour comprendre comment cette Donner Cut a pu voir le jour. C'est une vidéo plutôt ambitieuse, je vous le cache pas, donc je compte sur vous pour vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous êtes une majorité, hein, 90% encore, à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Donc merci de votre soutien, levez le pouce bleu. Lâchez-moi un petit commentaire en cours de visionnage. Allez, on y va, c'est parti pour ce nouvel épisode de la série Dans ton culte, consacré à la rétro sur les films Superman. En 1978, à la fin du tournage principal de Superman 1 et 2, soit 17 mois après le premier coup de manivelle, il reste à Richard Donner un tiers du deuxième film à réaliser. La cause principale de ce manque de scènes se situe en coulisses, où de nombreux conflits ont mis à mal la production de ce film imaginé en deux parties. Quand il développe le premier Superman, Richard Donner prévoit de réaliser plusieurs films, aussi épiques que les comics d'origine. Mario Puzo écrit donc un scénario plutôt dense qui nécessite deux films. C'est pourquoi Richard Donner décide de tourner des séquences pour Superman 2 pendant le tournage du premier film. Le scénario a tout d'abord dû subir plusieurs sessions de réécriture à l'initiative de Richard Donner, qui avait engagé Tom Mackiewicz en tant que consultant créatif pour donner une tonalité plus sérieuse à l'ensemble. Ayant des points de vue divergents sur la marche à suivre quant à ce que devait être un film Superman, le réalisateur et les producteurs Alexander Salkin et Ilya Salkin, ainsi que Pierce Spengler, ont rapidement vu leur relation se ternir. Pour ces derniers, ce qui a déclenché cette véritable guerre, c'était le retard pris sur le calendrier et le dépassement de budget, qui avait fini par flamber les deux volets, ayant au final coûté 109 millions de dollars. La tension était telle que Richard Lester, qui avait officié à la réalisation sur les 3 mousquetaires et les 4 mousquetaires, fut appelé pour servir de médiateur, car plus personne n'arrivait à s'adresser la parole. C'est dans ces conditions que le tournage s'achève donc en octobre 1978, alors que Superman 2 et donc complet à environ 70%. Lester conseillant à Donner de se concentrer sur la post-production du premier volet. Alors que le flou régnait sur le véritable potentiel du film, la concrétisation de cette possible suite était sur la sellette chez la Warner. Par exemple, la scène où Superman retourne dans le passé pour sauver Lois et inverser le cours de l'histoire devait à l'origine se trouver dans Superman 2, mais fut intégrée à l'intrigue du premier film. Heureusement, à la sortie de Superman au mois de décembre de la même année, le film explose toutes les attentes et s'impose au box-office s'envolant à plus de 300 millions de dollars dans le monde. Un véritable triomphe qui validera donc la suite. Mais comme on le sait, quelque chose est déjà en train de se jouer en coulisses. Richard Donner, ayant publiquement fait savoir qu'il ne reviendrait pas au poste de réalisateur, ne voulant plus avoir à traiter avec les Salkin. C'est donc naturellement Richard Lester qui prend le relais et s'attelle à la mise en scène de ce second film en mars 1979, en y mettant bien sûr sa patte humoristique et ne gardant qu'une infime partie du travail de Richard Donner, ce que critiqueront ouvertement l'ensemble du casting, Christopher Reeve et Margot Kidder en tête.
Lester retourne donc de nombreuses scènes en appuyant le côté humoristique du film et a besoin pour être seul crédité au générique de filmer plus de 50% du métrage. Sa version doit composer avec plusieurs contraintes, la principale étant celle de se passer les scènes avec Marlon Brando, l'interprète de Jor-El venant d'intenter un procès au producteur à cause d'un conflit financier, l'acteur n'ayant pas reçu le paiement de son pourcentage sur les recettes. La justice finira par donner raison à Marlon Brando qui récupérera son argent comme prévu. Autre souci, le refus de Gene Hackman de revenir tourner de nouvelles séquences, celui-ci ayant achevé sa partie sous les caméras de Richard Donner, ce qui poussa Lester à utiliser une doublure pour les reshoots impliquant Lex Luthor. Christopher Reeve a également eu sa part de conflit avec les Salkind, lui reprochant de s'être engagé sur le film Quelque part dans le temps de Jan Oswark à la suite du tournage de Superman et voulant l'attaquer en justice pour rupture de contrat. Donc un climat très tendu hein, à l'aube du tournage de ce second film, et comme si ça ne suffisait pas, le scénario de Mario Puzo est réécrit par David et Leslie Newman, qui vont être à l'origine de la scène d'introduction à Paris, voulant notamment séduire le marché français, et de la fin impliquant le baiser effaceur de mémoire entre Clark et Lois, ainsi que de multiples séquences plus légères, comme le combat à Metropolis où le souffle de Zod va être l'objet d'une trop longue séquence vraiment très gênante. Dieu nous protège. Au final, seulement 20 à 30% de ce qu'avait filmé Richard Donner survivront à ce nouveau réalisateur, avec à la clé une série de faux raccords, conséquence de cette pause de plus d'un an avant le tournage des scènes additionnelles. Et heureusement pour Warner Bros, cela ne nuira pas à la carrière de Superman 2 en salle, qui débarqua tout d'abord en Australie en décembre 1980, avant de se frayer un chemin dans les salles du monde entier tout au long de l'année en 1981. Il parvint à engranger plus de 190 millions de dollars dans le monde, un résultat certes inférieur de près de 100 millions au premier film, mais plutôt honorable, ce qui n'entama pas l'enthousiasme des dirigeants du studio ni des producteurs, car ces chiffres restaient très élevés pour l'époque. Et c'est donc sans surprise que de nouveaux volets verront le jour par la suite, pour notre plus grand malheur. En effet, nombreux considèrent, et à juste titre, que les Salkind et Richard Lester sur Superman 3 ont souhaité déconstruire le mythe du super-héros en se passant entre autres de Gene Hackman, officiellement pris sur d'autres projets, et avec une toute petite présence de Margot Kidder, décision prise pour punir l'actrice suite à ses prises de position sur le remplacement de Richard Donner. Puis en 1987, malgré le départ d'Alexander et Ilya Salkind qui avaient revendu les droits d'adaptation de Superman à la canon, Superman 4, le face-à-face, donnera définitivement le coup de grâce à la franchise. Il faut attendre l'an 2000 pour que Warner Bros. Décide de sortir une Director's Cut de Superman le film, supervisée par Michael Toe avec l'aval de Richard Donner, avec qui il avait déjà collaboré sur son film Les Goonies en 1985. Le film finira par bénéficier de 8 minutes supplémentaires, pour la plupart issues des versions proposées à la télévision, celle-ci étant plus longue, ce qui est en fait dû à un accord financier passé par les Salkind pour les diffusions télé, les chaînes payant le film à la minute. Et alors les Salkind avaient en 1984 décidé d'ajouter tout ce qu'ils pouvaient pour gagner toujours plus de pognon à la télé. Ils ont donc pour la première fois montré au public 17 minutes inédites filmées par Richard Donner et incorporées au Superman 2 de Richard Lester à la télé. Et Donner avoue même que ce fut du grand n'importe quoi et qu'il s'attendait presque à voir les claps des débuts et de fin des prises pour que ça rapporte encore plus d'argent aux producteurs. Quand Warner Bros. Récupère donc les droits de Superman, le studio réalise que ces versions longues pour la télé ont relancé l'intérêt pour un Richard Donner Cut de Superman 2. Le studio propose donc une première fois à Donner de finir son Superman 2 avec une liberté totale. Donner qui est aussi responsable de la franchise des armes fatales. Il est donc devenu au fil des années l'un des réalisateurs phares du studio Warner. Mais au départ, il refusa, ayant tourné la page depuis de nombreuses années. Il déclara même à la Warner que l'expérience avec la famille Salkind fut tellement mauvaise qu'il n'avait plus envie de s'y replonger. Et le projet fut enterré pendant des années. Jusqu'à ce jour de 2004, où un fan proposa sur internet son propre montage de Superman 2. Et si les réseaux sociaux n'étaient encore qu'à leur début, une campagne va finir par être lancée en 2004 à l'initiative du fondateur d'un blog qui a écrit une lettre ouverte cherchant à attirer l'attention de Warner. Il militait pour la concrétisation de ce Superman 2, voulu à l'origine par Richard Donner, à l'occasion des 25 ans de la sortie du film. Cette version réunissait en un seul montage
tous les éléments inédits réinsérés dans le film par les Salkind au fil des diffusions de télé, provoquant d'ailleurs la colère de Warner, mais rendant aussi possible l'existence de cette fameuse Donner Cut. La tension qu'a créé ce montage de fans avec des images de scènes inédites, ainsi que plusieurs pétitions et campagnes de lettres de fans, finiront par convaincre la Warner de rendre publique la version alternative de Donner avec ou sans sa participation. Mais croyez pas que la Warner voulait uniquement faire un cadeau aux fans, hein. Ça les arrangeait bien puisqu'ils étaient également en train de préparer le retour de Superman au cinéma avec Superman Returns, qui était en projet pour sortir en 2006. Et durant la pré-production de ce retour de Superman, qui finira par être réalisé par Bryan Singer, un accord fut trouvé avec les héritiers de Marlon Brando pour utiliser les scènes coupées de Superman 2 qui seront incorporées dans ce cinquième film, considéré d'ailleurs comme la suite officielle du long métrage, effaçant de la mémoire collective Superman 3 et 4. Michael Toe s'est donc replongé dans les archives, lui permettant de déterrer 6 palettes supplémentaires de pellicules, de quoi fournir les séquences impliquant Jor-El et bien plus encore. La campagne pour la réhabilitation de la Donner Cut battant toujours son plein, les étoiles semblaient donc alignées pour répondre à la demande des fans. Les problèmes de droit à l'image de Marlon Brando étant de l'histoire ancienne, la Warner donna son feu vert à Michael Toe pour s'atteler à la conception de ce montage inédit de Superman 2. Warner Bros. Possédant le négatif original, tous les éléments sonores et d'autres éléments non répertoriés, il fit tout rapatrier à Los Angeles et se rendit vite compte qu'il avait accès à tout le contenu de la salle de montage de Superman 1 et 2. Tout était là, les copies de travail, les bandes-sons, les feuilles de montage, images et sons, et surtout les rushs du tournage, conservés avec le reste des productions Salkind, qui pour la petite histoire n'avaient même pas payé leurs frais de stockage depuis plus de 22 ans. Superman 1 et 2 ayant été tournés en même temps et au moment de commencer le remontage du deuxième film, il n'arrivait cependant pas à distinguer ce qui faisait partie de Superman 1 ou de sa suite. Finalement, Michael Toe parvint à convaincre Richard Donner de l'aider dans cette tâche, afin de remonter le temps pour réparer l'histoire et redonner vie à sa vision. Et en découvrant l'assemblage de Superman 2 en cours, Richard Donner trouva les versions originales trop lentes. Il reprit donc le montage avec l'aide de Tom Mankiewicz, crédité comme consultant créatif. Les deux hommes ne vont pas se contenter d'une version telle qu'elle aurait dû sortir en 1980, mais bien d'une version plus moderne et plus dynamique. Ensemble, les deux hommes vont se lancer dans un travail minutieux, sortant des kilomètres de pellicules de leur boîte afin de les éditer et de choisir les séquences adéquates, pouvant être complémentaires de celles issues de la version de Richard Lester. Avec l'impossibilité de réaliser des reshoots 26 ans après pour combler les 30% manquants, l'idée est donc de faire coïncider certains passages avec ceux issus du montage d'origine. Grâce au soutien de Richard Donner, en plus de se servir dans les scènes inédites à leur disposition, notre tandem de monteurs va utiliser des plans alternatifs du montage Lester ainsi qu'un screen test entre Christopher Reeve et Margot Kidder pour donner l'illusion d'un film différent. Ce remontage contient donc des scènes montées par Stuart Baird en 1977 et 78, quelques séquences de la version de Lester de 1980 et de nombreuses reconstructions de scènes montées par Michael Toe avec de nouveaux effets spéciaux. Entre 2001 et 2005, Marlon Brando lui-même, par le biais de ses avocats, va discuter et négocier avec la production pour que ses scènes filmées apparaissent dans la Director's Cut qui sortira en 2006. Marlon Brando décédera en juillet 2004, mais ses héritiers vont poursuivre les négociations jusqu'à leur terme. Au casting, on retrouve donc Gene Hackman, Christopher Reeve, Marlon Brando dans un matériau d'origine filmé par Richard Donner. Concernant la musique, l'idée sera de proposer une bande originale hybride avec les musiques de Superman orchestrées par John Williams et des morceaux de la partition de Ken Thorne qui avait procédé à des réarrangements de la composition de son confrère pour la sortie du deuxième volet. Une fois ce travail de longue haleine achevé, les fans du monde entier ont donc pu découvrir Superman 2, The Richard Donner Cut, qui sortit en DVD le 28 novembre 2006. La séquence d'ouverture nous offre une seconde lecture du premier Superman, comme un résumé mais d'un autre point de vue, ce qui est très intéressant parce que ce sera repris plus tard cette idée pour la suite de Man of Steel de Zack Snyder. On apprend notamment que Lara, la mère de Superman, lui a fourni trois couvertures, jaune, rouge et bleu, qui formeront plus tard les couleurs de son costume. L'explosion de Krypton qui projette la zone fantôme vers notre galaxie. Et l'explosion du missile envoyé par Superman dans l'espace, qui libère ici Zod, Non et Ursa de la zone fantôme. Alors on voit que la séquence en effets spéciaux a manqué de moyens évidemment, mais peu importe parce qu'on sait que c'est une version que le réalisateur a décidé de nous offrir directement en vidéo, donc on va être indulgent là-dessus. Et ça, c'était juste la scène de pré-générique.
À noter que cette version est disponible uniquement en VO, et honnêtement, vous allez voir, c'est pas plus mal, parce que je déteste quand les versions françaises changent entre deux versions, et je trouve que ça donne un petit cachet en plus à cette version. Regardez comment Loïs commence à avoir des doutes sur la double identité de Superman. A noter que la scène de la Tour Eiffel à Paris n'apparaît tout simplement pas ici parce qu'elle a été tournée par Richard Lester et n'était absolument pas voulue par Richard Donner. Boss, what are you doing? You wouldn't let me die, Superman. Et regardez ça, comment il sauve Loïs dans cette scène autrement plus spectaculaire que la scène des chutes du Niagara. Le Superman qui utilise sa super vitesse pour sauver Loïs. C'est une scène qui fait écho, bien sûr, à celle de la version de Richard Lester, dans lequel il utilisait simplement ses pouvoirs pour aider Loïs à travers une branche d'arbre. Loïs, attrape-la, la branche. Et puis alors là, c'est quand même autre chose que de voir Loïs également se faire presser un jus d'orange dans une pièce de 2 mètres carrés. Je veux dire, en termes de mise en scène, on est vraiment sur un autre monde avec Richard Donner. Et là, vous vous souvenez du bruitage ridicule ajouté dans la cellule ? Je vous ai dit. Ce qui n'avait aucun sens, hein, vu qu'il s'agit d'une illusion d'optique. Ici donc, il n'y a pas de bruitage dans la version de Donner. Même l'humour est à nouveau présent ici avec Lex Luthor qui se chamaille avec Mademoiselle Tessmacher. Miss Tessmacher, would you like to take a trip? Lex, I can go buy shopping. I can buy a bikini. You must have thought about me in a bikini while you were in prison. I thought about you in a parka. Et c'est en jet ski amphibie qu'ils atteignent la forteresse de Superman, avec plus de scènes également dans cette version. On est d'accord que niveau déco, la forteresse de la solitude, c'est toujours pas foufou là. Hein. It's funny, there's no front door. There's everything. Wrong. Why didn't you go before we left? That was two days ago. Frankly, I think this place is a little boring. It's all white. Why doesn't the guy put up some pictures? Marlon Brando est donc ici de retour, et je vous renvoie bien sûr vers ma première vidéo hein, sur Superman le film, si vous voulez en savoir plus, sur notamment le cachet qu'a pris Marlon Brando pour apparaître dans les deux films. On apprécie sa générosité pour sa présence sous forme d'hologramme dans cette nouvelle version. Évidemment, ça n'avait pas de sens de voir sa mère à la place de Jor-El, alors que c'est sa voix qui accompagne Kal-El dans son vaisseau. C'est lui qui apparaît dans le premier film dans la forteresse, et surtout, ce sera un moyen de boucler la boucle, vous le verrez à la fin du film. Luthor s'exprime non pas en voix off ici, mais devant la caméra, sans musique, pendant que Tessmacher a enfin pu se soulager dans les toilettes de Superman, soit oui, visiblement dans cette forteresse, il y a quand même des toilettes. En tout cas, je trouve vraiment cette scène hyper drôle. Et pour le coup, c'est dommage qu'on l'ait pas eu à l'époque dans le premier film. Three supervillains, all three with the same power he has. All three totally dedicated to corruption, violence, evil, right? Tessmacher. Ça me dérange absolument pas quand l'humour est bien dosé. Il faut qu'il y en ait un petit peu dans les Superman, mais il faut juste que ce soit pas trop lourd, quoi. La scène qui suit est en fait une scène tournée lors du casting des deux acteurs, de Margot Kidder et Christopher Reeve. Alors, on voit clairement sur le visage des acteurs, sur la lumière, sur les coupes de cheveux, que c'est une scène qui n'aurait jamais dû figurer dans la version cinéma. Mais au moins, ça a le mérite de montrer que Christopher Reeve, dès le départ, dès la phase de casting, a adopté une posture différente de celle de Superman pour incarner Clark Kent. Et donc, ce truc qu'il fait là, quand il repositionne ses lunettes, qui est juste un geste cultissime, eh ben, il était déjà présent dans son esprit dès la phase de casting. Et on peut totalement s'imaginer qu'il s'agit de l'hôtel dans lequel ils sont lors de leur reportage aux chutes du Niagara. Finalement, c'est pas gênant au niveau du décor. Plutôt que de se brûler la main là dans la cheminée, Loïs lui tire dessus avec son arme, c'est un peu plus spectaculaire. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est la chute. Parce qu'en fait, elle fait ça avec une balle à blanc, ce qui montre qu'elle a réussi à faire en sorte que Superman se dévoile à elle, mais sans se mettre en danger, et surtout en se préoccupant tout de même de Clark Kent, juste au cas où elle se serait trompée quand même. It is you.
guess I've known this for the longest time. You realize, of course, if you'd been wrong, Clark Kent would have been killed. With a blank? Alors je comprends que Richard Donner ait souhaité conserver cette scène, même s'il s'agit d'une scène de casting, parce qu'en fait elle est juste parfaite pour la compréhension de sa révélation à Loïs. Alors ce qui me gêne encore là dans cette scène où Zod s'en prend à la petite ville du Texas, même si elle est autrement plus spectaculaire, parce que débarrassée de certaines scènes qui n'avaient aucun intérêt, c'est que j'ai quand même encore du mal à imaginer que Superman avec sa super Wii n'est pas capable d'être alerté sur ce qui se passe. Il ne peut pas se fermer à ce qui se passe sur Terre pendant qu'il est avec Loïs. Ou alors sa forteresse de solitude le rend complètement aveugle et annihile ses pouvoirs, mais ça on aurait aimé qu'on nous l'explique. Zod détruit l'obélisque à Washington pendant que Superman a une vraie conversation sur ses responsabilités avec son père Jor-El, montrant un désaccord qui était absent du premier film. Jor-El étant clairement opposé hein, dans cette version à l'idée qu'il perde ses pouvoirs, il lui conseille d'y réfléchir à deux fois, c'est très important, ce qui rend l'acte de Superman bien plus dramatique que dans la première version, et la musique encore une fois de John Williams accentue ce sentiment, c'est juste parfait. If you will not be Kal-El, if you will live as one of them, love their kind as one of them, then it follows that you must become one of them. All your great powers on Earth will disappear forever. I beg you. Father, I love her. Think, Kal-El. Oui, l'amour, ça fait faire quelques bêtises parfois. Et Superman en fait les frais, ce qui le rend plus humain que jamais. Même si j'ai toujours du mal à imaginer qu'il se laisse mettre au tapis aussi facilement. Il doit quand même avoir de beaux restes de Superman. Mais là encore, le jeu de Christopher Reeve est parfait. Surtout lorsqu'il apprend ce qui se joue sur Terre au même moment. Dans ce qui suit, la récupération de ses pouvoirs. Dans ce qu'on peut appeler la résurrection du héros, qu'on peut voir également dans d'autres films comme Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Superman demande réellement la rédemption et assume son erreur. Le cristal vert n'apparaît pas comme par magie, mais ce sont bien ses paroles qui donnent du sens à la scène. Et le dialogue avec Jor-El est magnifiquement bien écrit et surtout donne un sens à cette phrase prononcée dans le premier film. Le fils deviendra le père et le père le fils. Listen carefully, my son. We shall never speak again. The crystal source through which our communication has begun. The circle is now complete. You have made a dreadful mistake, Kal-El. You did this of your own free will, in spite of all I could say to dissuade you. Now you have returned to me for one last chance to redeem yourself. Finally, I have anticipated my son. Look at me, Kal-El. Once before, when you were small, I died while giving you a chance for life. And now, even though it will exhaust the final energy left within me. Father, no. Look at me, Kal-El. The Kryptonian prophecy will be at last fulfilled. The son becomes the father. The father becomes the son. Farewell forever, Kal-El. Certaines séquences de la confrontation finale à Metropolis entre Superman et Zod ont été ajoutées, mais ne changent pas forcément l'aspect de cette partie du film. Quelques dialogues par-ci, quelques toupies par-là.
was. You hit a woman. Never thought this thing would go the distance. La scène de fin dans la forteresse est également beaucoup plus belle et plus juste, avec une meilleure compréhension des motivations de Zod ainsi que de sa cruauté. Sans les sons absurdes que faisait None dans la première version, on va savoir pourquoi ils avaient ajouté ça, franchement j'ai jamais trop compris, ça le rend ridicule encore. Your powers are identical to mine, but we are three. We could tear you limb from limb. Do it, Your Grace. Just grab a leg and just make a wish. You will live, Kal-El, forever, as my slave. If not, then others will pay for your obstinate attitude. I sense the presence of Jor-El here. We will destroy this place. Superman décide de détruire la forteresse afin de protéger ses secrets d'ennemis comme Lex Luthor. Il ne lui reste plus qu'à protéger Lois en lui faisant également oublier qui il est, pour la protéger. Mais ce ne sera pas avec un bisou magique cette fois, ce qui n'avait aucun sens dans la version cinéma. Même enfant, j'avais rien compris. C'est un pouvoir complètement what the fuck. Et il est temps de refaire donc le tour de la Terre en sens inverse, parce que c'est comme ça que Richard Donner et Mario Puzo, le scénariste, l'avaient imaginé dans la première version. Cette fois, je trouve que ce sera tout de même plus subtil et inventif. Bah regardez... Alors le principal défaut de cette scène, c'est bien sûr qu'il annule tous les événements que nous venons de suivre et nous ramène donc, je sais pas où exactement, parce que c'est avant l'explosion du missile dans l'espace, donc Zod reste bloqué dans la zone fantôme, ne sera jamais vu sur Terre pour affronter Superman, ce qui n'a pas de sens vu la scène qui suit dans le diner qui a été conservée, où le gars visiblement reconnaît bien Clark, très bizarre, hein, mais bref. J'ai pris une véritable claque en regardant cette Richard Donner Cut pour la première fois. C'est vraiment une version que vous êtes obligé d'avoir vue au moins une fois dans votre vie. Vraiment, ça rend complètement caduque la première version sortie au cinéma. On a presque l'impression de l'avoir oubliée tellement qu'elle est passée à côté de son sujet selon moi. Tout le burlesque qu'a mis en place Richard Lester, notamment dans les séquences de fin du film, là, qu'on retrouvera d'ailleurs
mort au début de Superman 3, a été totalement évacué, effacé dans cette version de Richard Donner. Le film est juste plus juste. Une version qui dure 11 minutes de moins que l'opus de Lester, mais on a juste l'impression de jamais s'ennuyer. Elle offre son lot de nouveautés au niveau de l'intrigue. Parmi les changements notables, on a bien sûr la réintégration de Jor-El, une nouvelle scène d'introduction, un rappel au climax du précédent long métrage avec l'un des missiles de Lex Luthor qui vient exploser dans l'espace et libérer le trio Zod non Ursa. On efface donc la prise d'otage à la tour Eiffel. Lois Lane et ses suspicions quant à l'identité de Clark prennent également beaucoup plus de place. On a affaire au flair de notre intrépide journaliste qui fait son retour avec des stratagèmes pour démasquer son collègue, c'est bien plus fin. Avec cette nouvelle trajectoire, la scène de la révélation est totalement modifiée. Clark ne tombe plus par inadvertance dans un feu de cheminée, mais rattrape la balle à blanc tirée par Lois qui utilise les grands moyens pour démasquer le super-héros. Le point confus qui porte sur le retour des pouvoirs de Superman dans la forteresse de solitude est éclairci grâce à cette scène qui explique mieux le processus qui dans le montage de Richard Lester était juste bancal, sans explication. Enfin, si la fin se répète malgré lui avec le premier film, Kal-El sauvant une nouvelle fois le monde en remontant le temps et permettant ainsi d'éviter de se conclure sur le baiser effaceur de mémoire, on peut quand même saluer l'effort pour effacer cette scène qui dénaturait la version sortie en salle. Et puis ce rappel à la fin du premier film permet finalement de boucler la boucle, c'est pas si gênant que ça. Et malgré une histoire semblable dans le fond, faut constater que cette Donner's Cut de Superman 2, elle est juste plus plaisante à regarder, c'est plus fluide, il y a une vraie continuité avec le premier, que ce soit dans la tonalité, dans la réalisation, notamment grâce à la présence de Jor-El qui donne tout son sens à la réplique culte du film « Le fils va devenir le père » et « Le père le fils ». Contrairement à beaucoup d'éditions spéciales, je trouve, et de Director's Cut qui sont sorties ces dernières années, il y a eu notamment pas mal de Director's Cut autour de Blade Runner, d'autres films aussi, mais là je trouve que avec cette version, c'est un film complètement différent. Alors bien que les deux versions se basent sur la même histoire, pour moi, c'est deux films différents. L'histoire de base, c'est celle des trois Kryptoniens qui arrivent sur Terre pour défier Superman. Et une bonne partie de ce film contient des scènes tout à fait inédites, filmées par Richard Donner lui-même, qu'on n'a jamais vu, y compris les 15 minutes de Marlon Brando, qui interprète Jor-El, et presque mieux que dans le premier film. Il a plus de scènes, avec Christopher Reeve surtout, et plus de la moitié des scènes tournées par Lester ont donc été enlevées et remplacées par celles de Donner filmées en 1977. Le film est nettement supérieur à la version sortie à l'époque et très différent en même temps. C'est plus le même film en fait. Ce Superman 2, il est maintenant comme la seconde partie d'une seule et même histoire. C'est évident, le point de vue est cohérent, crédible, forcément parce qu'il suit un scénario qui avait été aussi écrit à la base comme déroulant deux films en fait. Le premier étant plutôt poétique et le second très épique, dans lequel Superman embrasse son héritage kryptonien sans renier ses responsabilités. Évidemment, tout n'est pas parfait, on l'a dit, notamment la nouvelle scène de la révélation de Superman à Lois qui a été montée à partir de screen test. Même si ça fonctionne, honnêtement, on voit clairement que les acteurs ont vieilli entre leurs essais et le tournage, avec les coupes de cheveux, tout ça. Le milieu du film aussi, tout ce qui tourne autour de l'histoire d'amour entre Lois et Clark, c'est un peu expéditif, ça manque de scènes qui n'ont jamais pu être tournées. Mais en dehors de ça, c'est une réussite quasi totale. C'est juste dingue de voir exactement la même histoire dans le fond, mais racontée d'un point de vue totalement différent. Richard Donner qui n'a jamais pu tourner certains passages du film, environ un tiers. Donc en gros, ça représente les chutes du Niagara, la bataille dans les rues de Metropolis, l'attaque de Houston au Texas. Il a néanmoins remonté avec Michael Toe ce qu'a tourné Lester et choisi au maximum des prises alternatives, même à l'intérieur de ce que lui-même a tourné, c'est assez dingue, avec des angles de caméra différents, pour en faire finalement un tout nouveau film et coller au script d'origine. Et ça, c'est juste dingue. On a rarement vu ça. Et au final, environ 70% du film semble totalement inédit. Et ça change tout. Les trois méchants, notamment, ne sont plus ridicules. Mais ils sont posés, ils sont menaçants. Ils sont inquiétants, vraiment. Ils commencent à faire peur, ces trois méchants. Ce qui n'était pas du tout le cas dans la version sortie au cinéma. Ils sont violents, ils sont destructeurs. Ils n'hésitent pas à tuer. Ils sont sans foi ni loi. Là, vraiment, on se dit oui, c'est une vraie menace pour Superman. L'humour très lourd de Lester a disparu au profit de dialogue en plus avec Gene Hackman, tel qu'on l'avait apprécié dans le premier Superman, notamment quand il est dans le ballon avec Teschmacher. Il est génial, lui seul finalement qui amène cette touche humoristique aux deux films. La mère de Kal-El a donc disparu au profit de Marlon Brando dans plusieurs scènes, dont celle où Kal-El choisit, après avoir couché avec Lois et non pas avant comme dans le premier montage, d'abandonner ses pouvoirs, et celle hyper émouvante où Jor-El se sacrifie en lui mettant la main sur l'épaule. Là, j'ai trouvé que c'était hyper touchant. Franchement, c'est une scène qu'on aurait aimé voir dans le premier où il ne le touche jamais. Là, il lui met vraiment la main sur l'épaule pour que son fils retrouve ses pouvoirs. Je trouvais que cette scène était juste incroyable.
et tout le final dans la forteresse de solitude, avec l'épilogue entre Lois et Clark détruits par leur amour impossible, c'est hyper touchant. Superman 2, Richard Donner Cut boucle également la boucle des thématiques du premier film, à savoir la relation entre le père et le fils, le poids des responsabilités, le fait que Superman retourne le temps à nouveau finalement ne choque pas, parce que le contexte, les raisons, la réalisation sont totalement différents. Il n'y a qu'à voir ce plan que juste iconique où Christopher Reeve, il est tiraillé entre colère, tristesse, rire, alors qu'il tourne autour de la Terre. Donc un film pas parfait, surtout pour des raisons techniques, qui se veut quand même plus proche de ce que Donner aurait pu tourner s'il en avait eu l'occasion. Un film qui n'est disponible évidemment qu'en VO sous-titré, mais même si vous avez grandi comme moi avec les versions françaises, vous allez voir que ça pose pas vraiment de soucis, parce qu'en plus on connaît déjà toutes les répliques par cœur en français, et au contraire les acteurs jouent tellement bien que ça apporte un petit plus de les entendre avec leurs véritables intentions. Mention spéciale, j'ai trouvé à Gene Hackman et Terrence Stamp, dont je trouve les jeux bien plus nuancés et menaçants en VO dans cette version. En tout cas, c'est un film bien plus intéressant, plus sérieux à l'instar du premier film, même si quelques gags avec lesquels on a grandi peuvent parfois manquer, c'est évidemment cette nouvelle version qui précède le film Superman Returns, dont on parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo sur la chaîne, alors abonnez-vous maintenant si c'est pas déjà fait. Et franchement, il faut impérativement voir cette version, je vous la conseille évidemment, si vous aimez Superman, si vous avez aimé le premier film, cette version donne une vision d'ensemble très ambitieuse à l'œuvre de Richard Donner, et nous laisse imaginer ce qu'auraient pu être les suites, tout simplement faire de Superman une grande saga qui aurait pu marquer l'histoire du cinéma. Oh, good night. Alors vous l'avez compris, j'ai bien sûr préféré de loin cette version de Richard Donner sortie directement en vidéo en 2006. Ça m'a même pas gêné honnêtement que les voix soient uniquement en VO alors que j'apprécie quand même les versions françaises. Mais vu que c'est sous-titré et qu'en plus on est sur un univers qu'on connaît bien, c'est franchement pas gênant. Alors est-ce que ça a nuit finalement au succès de cette Donner Cut en France? Je ne sais pas. J'ai pas pu trouver honnêtement d'infos sur le succès de la sortie de cette vidéo en 2006, donc si vous avez plus d'éléments, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire, hein. Finalement maintenant cette vidéo elle va vivre grâce à vous, grâce à vos commentaires. Honnêtement on est sur un 3 sur 10 pour la première version de Richard Lester, parce que tout ce comique là qu'ils ont ajouté, ça plombe l'ambiance, enfin c'est une catastrophe. Juste une dernière chose sur la scène où Superman retrouve ses pouvoirs, mais dans la version Lester, franchement, il tient le cristal vert dans ses mains, et on ne sait pas ce qui se passe, on n'a jamais su ce qui se passait, parce que direct, ça bascule sur la scène où ils sont à la Maison Blanche. Alors je sais pas, qu'est-ce que vous avez imaginé, vous, à ce moment-là, dans le film? Moi, je sais pas, je me disais, le cristal, peut-être d'une certaine manière, il est en train de l'irradier. Comme c'est pas expliqué, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et là aussi, Richard Donner a corrigé complètement cette partie du film. Mais c'est tout le long, en fait, que Richard Donner, il a tout changé et tout amélioré. Donc, le film de Lester, moi, je lui mets 3 sur 10. Et la Richard Donner Cut, honnêtement, c'est du 9 sur 10 pour Superman 2. Mais de loin, c'est 9 sur 10, il n'y a rien à dire. En plus, c'est même pas le film qu'on était censé voir en 1980. C'est un Superman 2.0. Clairement, pour moi, cette version de Richard Donner que je vous encourage vivement à vous procurer, à regarder. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon UK, donc n'hésitez pas, bien sûr. Il y a souvent du réassort. Il y a une version DVD. Il y a une version coffret 4K aussi, il me semble. Donc, n'hésitez pas à checker tout ça. Je peux malheureusement pas vous mettre le lien affilié parce que j'en ai pas la possibilité. Raison de plus pour vous abonner, évidemment, je le répète, c'est gratuit. Levez le pouce bleu, lâchez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, sur peut-être une partie que vous avez préférée. Pour les prochaines vidéos, qu'est-ce que vous souhaitez que j'améliore? N'hésitez pas, c'est ensemble qu'on est en train de construire cette chaîne, donc je vous en suis évidemment très reconnaissant. Je lis tous vos commentaires, vous le savez, chaque semaine, ils sont hyper bienveillants et c'est grâce à vous qu'on arrive à poursuivre cette aventure sur la chaîne. Évidemment, on va sauter Superman 3 et 4, on va pas les traiter, en tout cas pas pour l'instant, parce que ça fait pas partie de l'ADN du concept, c'est dans ton culte. Si on fait Superman 3 et 4, remarque, ça pourrait être rigolo, mais ce sera pas des dans ton culte, hein. Vous enlevez le T et le E à la fin,
Je pense que ça ressemblerait plus à ça, parce que clairement, ils nous l'ont mis bien profond sur Superman 3 et 4. Hein. Donc on va rester, je pense, sur Superman Returns pour le prochain épisode. Si vous voulez pas le louper, bah, activez la cloche. Je vous encourage évidemment aussi à aller regarder mes autres vidéos sur d'autres films cultes. Il y en a certaines qui, malheureusement, n'ont pas été détectées visiblement par YouTube. Donc personne ne les a vues, ces vidéos, mais elles existent, donc n'hésitez pas à aller fouiner un petit peu. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour un nouveau DTC, et n'oubliez pas, soyez heureux. Soyez heureux. Soyez enculés.